Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo invocation sur les tickets. Voilà, ça fait un moment que j'ai gardé mes tickets, je crois que ça doit faire 3-4, enfin 2-3 tournois minimum. Bon après les tournois d'avant, je vous dis la vérité, je les ai pas vraiment farm de ouf. J'ai fait 7 victoires consécutives, j'ai perdu, je me suis taillé direct. Là j'avais le Golden Freezer, donc ça va, j'ai pu faire une team potable avec Raditz, etc. Et avec le Broly, donc on a rush, on a fait... D'ailleurs on a fini 8888ème. Donc on a eu un petit vieux cahier en plus, ça fait plaisir. Et 3 au 4ème local, voilà. Pour avoir juste les récompenses, ça faisait longtemps que j'avais pas farm, ça fait plaisir. Donc bah voilà, on va invoquer sur le portail. Alors, sachant que surtout le portail j'ai tout. J'ai tout, j'ai même... j'ai en tout, j'ai eu 6 Kami, 5 ou 6 Kami, j'ai eu 2 Goku Aji. Voilà quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y a le nouveau Jackie Chun qui est arrivé, le beau gosse il est là. Et bon, c'est un portail collect, hein, bien sûr, hein, mais il est quand même pas mal balèze. Donc le leader, c'est attaque, défense et HP plus 70% pour la catégorie Tenkaichi Budokai. Donc les mêmes persos qui servent pour récupérer les différents statuts de Satan. Donc l'événement pour récupérer des thunes. Attaque et défense plus 80 ou 70, attendez, on va vérifier. Bon là c'est 70 du coup, éveillé, là c'est 50. Et il survit au chaos si il a au-dessus de 30% d'HP, je crois c'est 20 quand il est éveillé. Du coup, voilà, plutôt pas mal, un petit truc sympa, il bloque l'attaque spé quand il lance une attaque spéciale, donc c'est assez cool. Et puis voilà, moi je kiffe ces unités là, donc je les ai toutes, c'est vraiment de la collecte, full collecte sur ce portail là. Alors oui, je sais, je vous ai dit que le portail d'après... Il y avait d'autres essais qui se rajoutaient, il y avait le Tenchian, mais bon, ça fait un moment on n'a pas invoqué. Vous voyez, là on a 130 DS, on attend les 3 ans avec impatience. Et puis voilà, je voulais me faire plaisir, lâcher des petites invoques comme ça. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les frérots, ça fait plaisir. On va commencer avec la première single tranquillement. On est en live d'ailleurs sur YouTube là. Je mettrai la rediff pour les gens qui n'ont pas pu. D'ailleurs, désolé aux gens parce que j'ai programmé le live à 20h, mais j'avais oublié qu'il y avait le match, du coup je l'ai avancé à 19h15. Vous aurez la rediff de toute façon, hein. Enfin la rediff. Je vais mettre ça, je vais supprimer le live et je mettrai des petits cuts, voilà, pour vous mettre les invocations. Vous aurez la vidéo de toute façon. On commence avec une petite Bulma que j'ai pas encore speedy. C'est un des seuls essers du portail que j'ai pas speedy, pourquoi pas. Bon allez, on va commencer avec l'argent en fait. Bon là du coup, j'ai 64 invocations. Il n'y a pas de multi, donc on va faire ça en single. On va faire ça tranquillement en single. On a eu la nouvelle, Lanfan que je n'ai pas non plus P10. Donc ce portail c'est full collect, hein, je le répète encore une fois. Donc on prend. Tant qu'à faire on va laisser P10. Hein. On n'a rien eu. Est-ce que ça serait un petit Colonel Black? Ah ça sent le Renoir du... le seul Renoir de DBZ avec Oup qui est tismé. Ah j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Le commandant Black qui tombe. D'ailleurs, en vrai, il y avait quoi comme Black dans DB? En vrai, à part le commandant Black, avec qui il y avait personne. Hein. Ou Billy Métis. Enfin, il y avait... Ouais, non. Non, Nam, il était indien, donc ça n'a rien à voir. Ah, tiens, Devilman. Un autre SR que j'ai pas Spedis. Du coup, ok, je prends. Pourquoi pas. Bonjour à tous ceux qui viennent sur le live. Désolé, je suis en même temps en train de recorder la vidéo. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Du coup... Je regarde un peu moins le chat arc-en-ciel. Bon, les arc-en-ciel, ça veut rien dire, ça dirait SR garanti. Avec la mise à jour, ça voudrait peut-être dire SSR. On a... ça tend vers... bon, bah voilà, une LAN fan encore. Bon, ok, ça fait deux LAN. Bon, faudrait quand même que les SSR commencent à sortir. Parce que le Jackie Chun, il fait bien plaisir. Hein. Sa petite spé, je sais pas si vous l'avez vu. La petite spé, elle est vraiment cool. C'est quand il fait de l'hypnose. Peut-être l'hypnose avec Goku là quand il l'endort. Bah tiens, en parlant de lui, le petit Nam qui tombe. Bon après on a un bouton sur les SR hein, parce que en vrai ce portail, les taux ils sont dégueulasses sur ce portail ici. Enfin je sais pas s'ils ont changé les taux, mais avant qu'ils changent, ils étaient dégueulasses. C'était autour de 2-3% d'avoir un SSR et 30% de chance d'avoir un R je crois, ou même 40, je sais plus. C'était un portail dégueulasse vu qu'il t'a dit. Ouais, Tenchian qui tombe bien trop souvent. Ce Tenchian là, j'en ai un peu marre hein, de le voir. Hein. Au début, ça me faisait plaisir. Black NGG. Commandant Black. Alors, ça va être qui là? Vas-y, moi je parie sur Bactéry. Vas-y, vous pariez sur qui?
Ah non, ah! Général Blue. Pourquoi pas commandant Blue? Ok. Bon, ça m'a bait en fait, ça m'a bait. C'était le taux pour que il se transforme pas et qu'il y ait un SR, il est assez bas. Ça tend sur la droite. 10% le taux d'avoir un SSR maintenant? Ah bah le taux a changé apparemment. Mais... Bah, voilà, le black qui kiffe, qui me kiffe apparemment. Hein. Le black qui me kiffe. Le vigile du ruban rouge. En vrai, Black, c'était. Non, en fait, c'était pas un bon nom. Il avait tué le. Il avait mis une balle dans la tête à l'ancienne. Au mec qui dirigeait le ruban rouge. Miskin, il a mis une. Après, il a enlevé sa chemise. Il a cru qu'il allait faire le poids face à Goku. Ça s'est pas passé comme il veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capsules. Et c'est SSR garanti. Et c'est J1. Et c'est J2. Et c'est J. Pas SJ3, pas de SSR garanti. Ah, Piccolo Daimao, je l'ai déjà. Bon, doublon qui sert pas à grand chose parce que je ne vais pas monter son arme. Néanmoins, c'est pas une unité dégueulasse. Quand il est Dokkan, il réduit de 25% l'attaque des adversaires, ce qui est plutôt pas mal. C'est de mémoire, donc pas dégueu comme unité, mais bon, je l'ai déjà du coup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Relâchez Rainbow! Un petit bye bye les gars en plus, ça fait plaisir! Jackie Shun! Jackie Shun! Jackie Shun! Jackie Shun! Jackie Shun! Ah! Ah! Piccolo Daimao Tech! Ah, je crois que j'aurais fait tous les SSR! Parce que avant de lancer le live, j'avais fait des. Juste après le tournoi pour m'occuper, j'avais fait des petites singles. Et j'avais eu le. Le tout puissant, donc j'ai eu tous les verts, j'ai eu tous les Namek. Là c'est, je sais pas, les Namek me kiffent aujourd'hui. Les deux que je veux, celui qui me manque. Ah bon, un petit Yamcha que je n'avais pas speed 10 non plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est dommage qu'ils mettent pas en place des multis sur ce portail quand même, hein. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage que sur ce portail ils mettent pas des multi. Donc on est obligé de faire des singles à chaque fois. Bon après pourquoi pas, mais bon. Quand t'as une soixantaine d'invocations à faire, c'est vrai que. Ça va en ce moment. Pour l'instant j'ai des SR dont j'ai pas SP10. Moi ça me va complètement. Hein. Franchement, j'ai dit ces invocations là les gars, faut pas attendre grand chose de. C'est incroyable, il y a une pluie de Shenron là. Encore un bye bye. Jackie Shun, 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 Jackie Shun. Mais non! Bah vas-y, allez où le short? Ah le short, je l'ai sur moi. Attendez. On va mettre la capuche du ghetto. Attendez. Il me faut un truc. Hop. Là c'est pas normal, faut contrecarrer le mauvais sort là, c'est pas normal, c'est pas normal ce qui se passe. Bon voilà, on est reparti. Super Saiyan, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, pas de Super Saiyan 3. Encore un Tenchias qui tombe. Dieu, je vais garder mes Jiketos. Mais j'ai pour l'instant, je suis si le taux est de 10% maintenant, je suis au-dessus des taux. Alors, il n'y a pas de bye bye, je suis sûr. En fait, c'est chelou parce que avant, la lune, je l'ai déjà à 100%, elle ira chez Baba, ça me sert à rien. C'est chelou parce que avant, enfin, j'ai remarqué depuis qu'ils ont mis en place le Shenron, en fait, le Satan sur la gauche, on a rarement des bye bye, les gars. Avec avant, c'était très très courant d'avoir un bye bye, les gars, quand on avait Satan sur la gauche et pas de transformation. Maintenant, Satan sur la gauche, pas de transformation, je mange un R. Le ninja Murasaki que j'ai déjà eu une pelletée de fois, je crois que j'avais 100%. Qui m'a bien servi d'ailleurs. Parce que à l'époque, quand Super Vegeto était sorti et que je l'avais eu, c'est lui qui bloquait ma spé. Il m'a bien servi des un fidèle et loyal serviteur. Bon, le colonel Black là, il peut s'arrêter de me suivre, hein, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de me suivre. Le Satan qui me follow aussi. Moi aussi, j'ai des serres à 100%. Mais ouais, ça va ou quoi, frérot? Comment vous allez? Bon. On a... Là, il y a 20, y a 20 singles qui sont partis. On a eu 3 SCR. On est au-dessus des taux. On est clairement au-dessus des taux. Mais il peut pas me lâcher Jackie Chun que j'arrête d'invoquer. Allez. Bon, après, c'est vrai que c'est chaud de choper Jackie. En vrai, c'est grave chaud de choper Jackie. Parce que sur le détecteur, il y a... Alors, il y a le Goku Zaru, il y a le Goku... Je sais pas si il y a le Goku Super Saiyan. En tout cas, il y a Piccolo Diamond, le tout puissant. Il y a au moins 4 SSR. Bon, il y a Nam. C'est sur la globale que j'invoque les frérots, c'est sur la globale. Bon voilà, clairement cette Bulma là. Ah non, celle-là je l'ai pas à 100% non plus. Ah 100%. Je vais pas la mettre à 100%, j'ai pas que ça à faire. Je l'ai pas Spédis non plus. C'est l'autre que j'ai Spédis, c'est la Bunny. Je l'ai SP 15 000... J'ai eu 1 000 000 de fois, c'est la Benny Bulma. Là, ton pas, ça fait plaisir. Encore une land fan. Bon, je l'ai SP 5 du coup. Allez, Jackie Chou, s'il te plaît, tu veux pas tomber, frérot, là, comme ça, je garde mes tickets pour le Tenchian la prochaine fois. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la live, un gros coucou général, les frérots. Je suis en train de record en même temps, c'est pour ça que je regarde pas trop. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Bon, la lunch P10, elle ira chez Baba, clairement. Lunch, pour la petite anecdote dont Akira Toriyama a oublié l'existence. Un jour, on lui a demandé où elle était passée, lunch. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a dit, c'est qui lunch? tu ne sais pas où elle est. Et après, il y a déjà, ils font les mythos. Mais non, il a pas oublié, c'était un troll. Arrêtez de mentir, les gars. Toriyama, il s'en bat les steaks de lunch, il l'a oublié. Elle a disparu du jour au lendemain, Lunch. Moi, je pensais en aller la revoir dans DB Super, honnêtement. Genre, au début, quand j'ai vu Tenchian, là, quand j'ai vu la meuf arriver, je pensais que c'était Lunch. Après, ça m'a surpris quand c'était une meuf de son dojo, etc. D'ailleurs, qui... L'introduction de personnages qui n'avait aucun intérêt, mais bon, passons. Je sais même pas si... Dans le manga, elle existe? Je crois que dans le manga... Je ne sais pas si elle existe. Bon, qu'on me corrige si je dis des bêtises dans les commentaires ou sur le live. Mais je crois qu'elle n'existe même pas dans le manga papier. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu la momie. C'est qui Flunch? Il a préféré la manger. Allez, Jackie shoot, Jackie shoot, Jackie shoot, Jackie shoot, Jackie shoot, Jackie shoot. Ah, encore une Bulma. Bon, encore celle-là, pas, je l'ai pas encore spédis. Allez, mon petit Jackie, viens ici. Ça fait un peu bizarre cette phrase. Franchement, Jackie, les gars, c'est un nom chelou. Hein. Désolé s'il y a des mecs qui s'appellent Jackie. Mais Jackie, les gars, c'est. Ouais. J'ai cru l'écran allait se casser. En fait, c'est le roi Chapa, frère. Eh là, mon écran il a bugué l'émulateur pour le roi Chapa. Eh, il m'a fait bugger. Oh le chien. Je me suis dit, c'est qui avec cette pose? À la fois, tu vois le vieux roi Chapa, ce bâtard. Y'a pas de soucis, frérot. D'ailleurs, n'hésitez pas sur Twitter. Il y a le Twitter dans la description. Si vous voulez autre chose que mes commentaires inutiles sur Twitter, parce que sur Twitter je tweet n'importe quoi, hein. C'est un peu le but. Je peux vous aider au niveau des box, etc. Si vous m'envoyez un MP, mes DM sont ouverts, du coup vous pouvez l'envoyer. Je vous répondrai, peut-être pas dans la journée, mais voilà. Dès que j'ai un peu de temps, je vous répondrai, vous inquiétez pas. Que ça soit conseiller de team ou etc. Oui, nice.
Eh, le petit Jackie Chou qui tombe, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Je suis grave content. Nice. Bon, du coup, on va garder le reste des tickets, les frérots, hein. On va garder le reste des tickets. Vous voyez? Vous voyez comment ça aide? J'ai dit, vous pouvez venir sur Twitter, il n'y a pas de souci, je vous fais voter. Bim, il est tombé. Bon, du coup, alors, on va compter. Sur le live, j'ai mis 20 tickets plus 8 or, si je me trompe pas, à peu près. Donc 20, 28 invocations, dans une trentaine d'invocations sur le live, plus 10 offline, en une quarantaine de tickets, je l'ai eu. Ce qui est un très bon taux, hein, si, ah, ça fait... Non, franchement, je suis très content, parce que même, bon, en soi, le perso, il est très bon, hein, mais il rentre dans aucune catégorie, et il s'intègre difficilement dans une team, mais moi, je kiffe. Franchement, l'illustration, elle est magnifique. Et puis l'aspect, je kiffe trop, genre. Moi, sur ces cartes-là, j'ai l'aspect collection de ouf. Sur les cartes du Tenkaichi Budokai, vu que c'est fait que pour ça. Après, des fois, on est dégoûté sur d'autres portails de choper de la merde, etc. Mais sur ce portail-là, vu qu'il n'y a que ces unités-là, bah ouais, bah ça fait plaisir, écoutez. Voilà, en plus, ça fait un TUR de plus. Je vais pouvoir farmer Satan encore mieux. Ça rajoute 10%. Pour ceux qui savent pas, en fait, la rareté. En fait, quand il y a des. Quand il y a des petits bonus de team, donc au niveau de la catégorie, chaque rareté supérieure c'est 10% de plus, si je me trompe pas. Donc voilà, ça va me faire un TUR de plus. J'aurai 10% de choper une statue SR en plus parce que je chope que des SR. Et puis voilà, écoutez, moi j'ai kiffé invoquer, ça m'a fait grave plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, activez les notifs pour être au courant quand on est en live comme aujourd'hui là. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez drop du lourd aux 3 ans. Vidéo en approche d'ailleurs. Je la sortirai, je pense, lundi ou ce week-end. Au niveau des 3 ans, un petit regroupement des infos et des events qu'on va avoir. Voilà ce qu'il y a d'intéressant, etc. Et après, on aura une petite comparaison des deux portails au niveau de la sélection, voilà, des persos. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.